Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et première vidéo de l'année 2018. Donc, concernant une ouverture de boîte, la Audi R8 au 1/24e proposée par Revel. Donc, avant de faire cette ouverture de boîte, je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018, qu'elle vous apporte tout ce que vous avez besoin, argent, bonheur, travail et tout ce qui s'ensuit. Voilà, joie, gaieté, tout, tout, tout. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, donc que l'année 2018 vous soit bonne. Allez, on va passer à l'ouverture de boîte de ce kit-là. Donc, je vais tout sortir. Et puis, je vais tout sortir au fur et à mesure et je vous montre. Voilà. La boîte est vide. Alors la notice, on la fera tout à l'heure. Donc il y a un gros sachet, il y a une grappe de chrome, la carrosserie, les pneus. On va essayer de faire vite. Vous savez très bien que les ouvertures de boîte, c'est un peu rébarbatif, donc on va essayer de faire vite pour vous montrer tout ça. Allez, je prends un autre angle. Toc, voilà. Et on va essayer d'ouvrir ça. Donc, dans le premier sachet, on a des pièces moteurs, on a le châssis. Alors, le châssis. Donc, pas mal. Vous pouvez voir de vous-même. Il y a très peu de défauts, voire pas du tout. On va pouvoir faire pas mal de petits détaillages. Il y a pas mal de petites pièces de genre de rivets ou de vis. On va pouvoir s'amuser à faire un petit peu de détaillage. Et puis pourquoi pas essayer un petit peu de vieillir ce châssis. Pourquoi pas ne faire une voiture un petit peu utilisée. Ça changerait un petit peu peut-être de toutes les voitures qu'on fait. Enfin, surtout les kits que je fais où il y a très peu de défauts. Comme si c'était une voiture qui sortait d'usine, quoi. On va voir ça. Je vais voir selon comme ça se présente. Donc le châssis est propre, hein. On a des pièces ici, donc les passages de roues, là et là. On a des éléments de direction, des disques de frein. Alors par contre, les disques de frein, vous voyez, il y a un petit peu de flash, un petit peu de partout. Je vous montre. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de flash sur les disques de frein, là. Sur celui-là, il va y avoir beaucoup de travail, je trouve. Regardez l'envers. Voilà. Bon, c'est pas méchant, hein. C'est pas atroce, mais bon, c'est à signaler quand même. Alors, certainement un petit défaut de disque, parce que... Ah, quoi que si, toute cette partie-là aussi, là, regardez. Tout ça, là. Voilà. Toute cette partie-là, là, au milieu, c'est que des flashs. C'est pas très propre, comme on dit, sur cette grappe-là. Alors, je sais pas si quelqu'un a déjà fait ce kit, s'il a eu le même souci. Mettez-le dans le commentaire si jamais vous avez eu le même souci. C'est pas grave, c'est pas méchant. On va pouvoir s'en sortir quand même. Alors, chose agréable, il y a un moteur complet à monter. Donc ça, c'est sympa. Il y a quelques lignes de moulage, mais bon, ça, c'est logique, hein. On en a toujours un petit peu sur les kits. Bon, c'est vrai que certains kits comme Tamiya, il y en a un peu moins. Bon, ben écoutez, là, c'est du Revel, hein. Donc, automatiquement, une qualité peut-être un peu moins bonne que Tamiya ou Aoshima ou Meng ou autre. Voilà, donc un petit moteur à monter. Sympa. Alors, après, on a une... Notre sachet, donc on a les éléments intérieurs, certainement. Voilà. Allez. Donc. Alors, on a les sièges, on a le volant, les pédales. Ouais, il y a
Un kit moyen quand même, hein. Il y a pas mal de flash. Je vois encore sur les rétros là. Vous voyez, ici, tous les côtés. Attendez, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, vous voyez, tous ces petits, tous les côtés là. Bon, il va falloir venir ajuster, penser un petit peu tout ça. Il y a pas mal de petits flashs là sur cette pièce-là aussi. Là, vous voyez, ici. Bon, c'est pas problématique, c'est pas méchant non plus. On a le spoiler avant ou arrière. Je pense que c'est l'arrière. Après, donc on a des petits éléments. Donc on a les essuie-glaces. Si je ne vous fais pas la mise au point, vous n'allez pas voir. Des petits éléments qui vont sur le spoiler avant. Et sur les côtés de la voiture aussi, je crois. Alors ici, on a donc les phares. Alors, des petits éléments de carrosserie encore. Hein. Ici, donc la partie avant du spoiler. Certainement des petits embouts d'échappement. Ici. Ouais, vous voyez, même là, on voit les embouts. Vous voyez sur celui-là de gauche, là, il est rempli de flash. Ouais. Le moulage n'est pas d'une grande qualité. Hein. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, on va y remédier. Alors, on a la baignoire. Excusez-moi. Fin de journée, je commence à fatiguer. Les vacances ont été reposantes, mais fatigantes quand même. Donc, reprise du boulot aujourd'hui, donc ça fait un peu dur. Alors, la baignoire. Les contreportes, le tableau de bord. Après des éléments de haillon arrière et puis des éléments compartiment moteur. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? La carrosserie. Alors, carrosserie, bon, comme d'habitude, quelques lignes de moulage. Ici, là. Qu'il va falloir atténuer. Elles sont bien prononcées. Là, il y a. Aïe, aïe, aïe. Ici, on a un gros. Alors, je ne sais pas s'il va fa pas falloir combler au mastic à cet endroit-là. Là, vous voyez. Là. Sur la pointe de mon cutter, là, ici. Je ne sais pas si c'est la ligne qui est en surplus ou s'il va falloir combler, je ne sais pas. Ce qui est dommage, c'est que c'est à côté de la ligne de structure. Donc il faudra faire attention de ne pas trop poncer pour atténuer la ligne de structure. Bon, quelques petits flashs encore. Hein. Voilà, au niveau de la carrosserie. Bon, il y a un petit peu de boulot dessus. Hein. Sinon, elle est propre. Il n'y a pas de défaut sur les grosses parties planes. Ça le fait comme on dit. Alors, les parties chromées. Il n'y en a pas beaucoup des parties chromées, hein. Il y a juste les roues. En fin de compte, c'est. Oui, après, j'ai plus de grappes. Donc, il n'y a que les roues en partie chromées. Donc, je vais voir si je les garde chromées ou si je les fais d'une autre couleur. Je ne sais pas encore. Le chrome est propre. Je regarde s'il y a des défauts un petit peu. Mais a priori, non. Oui, vous voyez, il claque bien le chrome. Mais il claque un peu trop pour moi. C'est pas le top. Je préfère peut-être les peindre, je sais pas, je verrai. Ou je les laisse comme ça, ou je les peins. J'ai pas encore décidé la couleur de la carrosserie non plus, donc sur la boîte c'est du noir mat. Je sais pas si je la ferai en noir mat ou si je vais improviser une autre couleur, je sais pas.
On verra ça au moment opportun, comme on dit. Si je fais la carrosserie comme demandé sur la boîte en noir mat, ou si je la fais d'une autre couleur. Alors, les parties transparentes. J'espère qu'elles vont être en meilleur état que les autres grappes. Alors, elles sont pas, non, elles sont pas tip-top. Peut mieux faire à ce niveau-là. Ah oui, elles sont remplies de rayures. Voilà, je vous fais un petit aperçu. Ah oui. C'est pas le Pérou, hein. Alors, je sais pas si je pourrais rattraper ça avec du coupound. Je sais pas. On va essayer de rattraper ça, quoi qu'il arrive, hein. Même sur les parties latérales. Vous voyez, il y a quand même pas mal de micro-rayures. Là, c'est pas. Non. On va quand même dire que c'est un kit moyen. Vous voyez, partie transparente. Pas le top. Bon, je les range dans le sachet pour pas les abîmer plus, mais bon, les rayures, il y en a déjà, donc on dirait c'est pas la peine de les protéger vu comme elles sont. Bon, on va essayer de pas les aggraver quand même. Et décidément, j'arrête pas de bailler. Excusez-moi, excusez-moi. Alors, les pneus. Alors, ça dit quoi les pneus? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, le caoutchouc est dur, hein. Le caoutchouc est très dur. On fera avec n'importe comment, quoi qu'il arrive. Alors, il n'y a pas de grosses lignes. Il n'y a pas de grosse ligne centrale de moulage. Par contre, un petit défaut quand même sur les pneus. C'est flagrant. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez le creux au milieu. Alors, je peux vous montrer avec ma petite plaque. Voilà. Voilà. Vous voyez l'écart qu'il y a dans le pneu. C'est pas le top, hein. Alors, est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce que les deux sont comme ça? Non, lui, a priori, est bon. Alors, est-ce que lui, ça fait tout le tour? Non, il y a juste cette partie-là, ici. Qui est comme ça. Juste cette partie-là. On essaiera de la mettre dans cette partie-là, on essaiera de la mettre dans le passage des roues pour pas que ça se voie. Voilà. Non, il n'y a pas de défaut. Bon, c'est moyen aussi, mais je pense que c'est comme tout le kit, hein. Allez, pour les pneus. Maintenant, on va faire la notice et les parties décalques. Alors, au niveau des décalques. Alors, par contre, chose. Allez, ça va être du positif. On a du micro-mesh pour pouvoir faire les parties ajourées dans les spoilers, tout ça. Donc, ça, c'est bien. Un bon point. Heureusement, il n'y a pas que du négatif dedans. Donc ça, c'est impeccable parce que ça, pas tous les kits proposent, nous est proposé ces micro-mèches et pourtant ça finit bien la maquette. Donc au niveau des calques, ben, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est pas une voiture de sport. Enfin, c'est une voiture de sport, mais pas de compétition. Donc il n'y en a pas beaucoup de décalques. Il y a des parties carbone.
Là, des parties, certainement, c'est pour le logement moteur. On a les compteurs, on a le GPS, les plaques d'immatriculation. Bon, c'est Revell 2015 pourtant. Hein. C'est un kit qui n'est pas vieux. Hein. Alors, est-ce que les moulages ont été faits bien avant et c'est une reproduction? Je ne sais pas. En tout cas, au niveau des décalques, c'est de 2015. Alors, sur le châssis, est-ce qu'il y a marqué quelque chose? Hop! Ah ben tiens! Si je fais tout tomber, on est mal. Hein. Voilà, à boulette. Alors, sur le châssis, est-ce qu'il y a marqué quelque chose en date? Oui, tout à fait, voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, il y a marqué 2007. 2007 Revell. Donc, en fin de compte, le kit lui-même est de 2007 et par contre, la planche décalque a été revue en 2015. On a aussi, j'avais pas vu ici, toute cette partie-là, là. Ici, des petits décalques blancs. Alors, je pense que ça va aller, oui. C'est des parties qui vont aller sur les sièges. Donc, c'est sympa. Je sais pas si vous allez voir. Regardez. Voilà. Vous voyez les petites décalques là, là. C'est pas mal parce que ça va pouvoir, ça va venir finir le siège baquet. Hâte de voir ça, ce que ça donne. Allez, on va remettre ça dans son logement. Là. Après, au niveau de la notice, donc c'est du Revell, c'est du basique. Hein. On va dire 8. On a combien d'étapes? 36 étapes. 36 étapes. Après du classique, au niveau des couleurs, on a tous les codes couleurs ici. Et on commence, comme la plupart des kits, on commence par le moteur. Donc je suppose que oui, on doit avoir un ouvrant, au moins le coffre arrière, le hayon arrière qui s'ouvre et qui reste ouvert pour laisser libre vue au moteur. Donc on va voir si je fais, parce que j'ai dans la vitrine, j'ai pas mal de kits où les vitres et les hayons sont ouverts. Je vais peut-être le faire fermer quand même. Si, ouais, mais la vitre n'est pas trop transparente, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien tout ça. Donc moteur, après on attaque le châssis, les tableaux de bord, les passages de roues, la baignoire, les sièges. Enfin, c'est du traditionnel. Hein. Voilà. Oui, donc le hayon arrière s'ouvre ou se ferme. Voilà. Par contre, les roues, on les fait en dernier sur ce kit-là. Les roues, elles se font en étape 32 et 33. Les roues, les disques de frein aussi, se font en 32, 33, à la fin du montage. Voilà. 36 étapes pour cette Audi R8. Et là, ici, on a donc l'explication pour tous les décalques. Voilà, donc ben, c'est à peu près tout pour cette ouverture de boîte. Ça fait déjà 18 minutes qu'on est dessus. Donc, ça va faire une vidéo à peu près d'une vingtaine de minutes. Donc, kit moyen. Je dirais moyen quand même, parce que je suis. Ouais, il y a pas mal de flash, il y a pas mal de défauts quand même. Oui, un kit moyen, on va dire ça comme ça, un kit moyen. Bon, il y a deux, trois petits points positifs. Mais bon, vous avez vu le pneu comme moi, vous avez vu les flashs sur les grappes. Bon, ça va faire un kit moyen. Mais bon, on va pouvoir faire quelque chose de joli quand même, quoi qu'il arrive. C'est pas un problème. Voilà. Eh bien, écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à l'acheter quand même, ce kit. Hein, ça doit être sympa à monter. Au final, on doit quand même avoir une belle petite voiture. Maintenant, vous savez à quoi vous attendre. Vous savez que vous avez un petit peu du boulot de nettoyage sur toutes les grappes. À moins que ce soit mon kit à moi qui soit comme ça. Si jamais quelqu'un a déjà fait ce kit-là. S'il a eu le même problème, qu'il me le dise dans les commentaires. Et s'il n'a pas eu les problèmes, ben, qu'il me le dise aussi dans le commentaire.
pour histoire que on puisse montrer à tout le monde que ou c'est tous les kits comme ça ou c'était que le mien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben comme d'habitude, un petit pouce levé, on va mettre les premiers pouces levés de l'année. Ou un petit pouce négatif, si jamais ça ne vous a pas plu, vous avez le droit à ce que ça ne vous plaise pas. Je vous dis à bientôt pour la suite de Hummer ou de la Ferrari 430. Sinon, je ne sais pas quand est-ce que je vais attaquer l'Audi, je ne peux pas vous dire, je verrai ça plus tard. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à plus. Bye bye.